Bienvenue dans ce numéro de Terre d'Ambition. Le jeune Saint-Josephois que nous allons rencontrer aujourd'hui n'en manque pas. Son entourage, en tout cas, le verrait bien à Paris pour les prochains JO. Avec nous, Valentin Damour. Bonjour, Valentin. Bonjour. Tu rentres d'un tournoi en métropole, c'est ça? C'est ça, ouais. J'avais un tournoi en métropole, un tournoi ranking, un tournoi national. Et puis avant ça, j'avais un stage en Inde. Début d'année, c'était au mois de février. J'ai fait 3 semaines aux États-Unis. Dans une grande université. Comment on conjugue les études, le sport de haut niveau? J'imagine que c'est compliqué, non? Ben, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de motivation, parce que forcément, c'est pas facile à tenir tous les jours, quoi. Et il faut toujours prévoir quelque chose en plan de secours, quoi, en plan B, parce qu'après le sport, forcément, il ne faut pas se retrouver démuni, quoi. Comment tu as maintenu la motivation pendant ces 2 ans? On s'est concentré sur certains outils qui aident beaucoup pour la lutte, voilà, comme tu l'as dit, pour la concentration. Il y a beaucoup de gens qui nous disent il a le profil pour aller jusqu'à Paris, jusqu'au JO. Ça serait quoi les étapes pour arriver jusque-là? Pour prétendre à un titre, voilà, à une qualification aux Jeux Olympiques, il faut d'abord pouvoir être numéro 1 chez soi dans son pays. Avant 2024, j'aimerais bien performer sur un championnat d'Europe ou un championnat du monde. Et quels sont, à ton avis, tes qualités, qu'est-ce que tu peux encore améliorer? J'ai beaucoup d'endurance, donc j'arrive à tenir sur toutes les périodes, sur toute la période de match. Donc ça, on va dire que c'est quand même un gros point fort. On a des phases où ça enchaîne au sol. Donc moi, je pense que ouais, je suis assez, très perfectible sur cette phase au sol, quoi, notamment sur la défense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir alors? Beaucoup de succès, hein, beaucoup de médailles, et puis qu'on se retrouve aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Valentin de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour Terre d'Ambition. Et rendez-vous le dernier lundi de chaque mois pour votre magazine.